Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui en cette nouvelle semaine qui commence? Oui, moi je suis très contente. Alors là, quand je tourne, il y a un soleil, mais de malade. Mais genre, on se croirait au mois d'août avec 48 degrés la journée, quoi. Je n'en peux plus. Je suis déjà au bout de ma vie alors qu'on est qu'au mois d'avril. Je sais pas comment je vais faire. Imagine le coq s'y trouve un boulot dans le sud. Je vais jamais survivre. Hein. Moi, je vais vivre dans une grotte, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, nous ouvrons des boosters porte-clés méchants Disney. Alors, on en a déjà ouvert par deux fois il y a longtemps. Donc, je me rappelle, nous avions eu Lady Tremaine qui est là. Hein. On avait eu K, que d'ailleurs j'ai vendu sur eBay il y a pas très longtemps. Gaston en double et le prince Jean que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah alors j'en ai racheté trois, seulement trois, parce que je me suis dit que j'aimerais bien compléter, mais que j'ai pas envie d'en acheter une cinquantaine non plus, tu vois. Parce que bon, si ça veut pas, ça veut pas. J'ai envie de dire, faut pas tenter le diable non plus, même si c'est évident. Petite blagoune. Donc du coup, j'aimerais beaucoup Yzma, Pat et Si ou Am, je ne sais pas, je m'en fous un peu. Hadès est stylé, Madame Mime j'adore, et une des deux secrètes, genre le Hadès en vénère, j'ai l'impression que c'est ça. Je dirais pas non, je dirais pas non. Et alors pour la prédiction de cette semaine, j'espère que bah du coup, enfin forcément, il va y avoir du négatif vu qu'on a que des méchants. Mais je la sens bien cette semaine. En ce moment, au moment que je parle, je suis à Venise. Fin de semaine, c'est Salon du Livre et je vous vois. Franchement, qu'est-ce qui peut se passer? Non, ne me répondez pas, d'accord? Ne me portez pas la poisse. Alors, on y va tout de suite. Ouvrons ce premier booster. J'aimerais bien au moins en avoir. Enfin voilà, on va baisser les exigences. J'aimerais en avoir que je n'ai pas déjà. Voilà, pas de double. Voilà, si on peut se limiter à ça. On est pas mal, c'est bien. Hein. Alors, premier petit bousse-bousse. C'est mignon, bousse-bousse comme surnom, j'aime bien. Non, mais je m'auto-congratule de mes idées, j'ai le droit. Hein. Alors, oula, il est presque en train de sortir. Attention, on envoie la tête, attention. Moi, je voudrais l'anneau sans me spoiler. Ok, j'ai l'anneau. Attention, au toucher, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est une robe. Pas du tout. Oh, c'est Madame Mime. Oh, yes! Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette méchante m'avait me terrifiée quand j'étais gamine. Oh, par contre, ça sent le chimique. Ouf! Oh, elle est géniale. Oh, elle est géniale. Oh, ma mère l'adorait, cette méchante. Et elle faisait beaucoup... Vous savez, quand elle se transforme en belle meuf, il y a un moment dans sa chanson, pendant quelques secondes, hein, elle se transforme en belle femme. Et ça, avec ma mère, on le faisait tout le temps. Et elle faisait tout le temps le jeu d'épaule. Enfin, voilà, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est une méchante qui est très marrante, mais moi, elle me faisait peur quand j'étais petite, franchement. Elle a un côté impressionnant parce que tu sais pas... Elle a pas de limite, en fait. C'est vraiment une saloperie, quoi. C'est vraiment une vraie méchante, y a pas de problème. Et elle est super stylée. Bon, alors, elle est terrifiante, hein. Pour le coup, elle est semblable au dessin animé. N'est-ce pas? Mais oh, je suis trop contente. En plus, c'était une de celles que je voulais. Mais c'est trop bien, quoi. Un Hadès et un Yzma, on a quasiment tout, quoi. Non, mais c'est trop bien. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Bon, pour la prédiction, faudra vous débrouiller. Eh, vous m'écrivez de ces trucs pour les prédictions. Eh, franchement, je pourrais faire un concours d'écriture rien qu'avec vos prédictions du lundi. Parce qu'à la base, il y avait ma mamoun qui s'amusait à faire. Elle s'amuse toujours d'ailleurs à faire des prédictions toutes les semaines. Mais maintenant, il y en a certains d'entre vous. Mais c'est des œuvres d'art ce que vous me faites. Alors, moi, je mets mes petits cœurs, hein, mais. Là, je peux même pas mettre des petits cœurs à tous, il n'y aurait que ça. Alors, donc nous avons Madame Mime en deuxième booster. Qui c'est que nous allons avoir? C'est bien, je me suis pas spoilée, je suis contente. Alors, qui c'est qu'on peut avoir? J'ai l'impression que c'est un gros. Je pense qu'il y a un gros bidou. Alors, attends, on va essayer de pas se spoil. Je veux juste attraper l'anneau. Donnez-moi l'anneau. L'anneau est là. Alors, qu'avons-nous? J'ai l'impression de sentir une robe, encore une fois. J'espère que c'est pas encore Madame Mime, parce qu'une fois c'est bien, mais deux c'est trop. Hein. Ah non, là on a Lady Tremaine. Ah, décidément, elle est femme au pouvoir. Hein. Ah, elle est stylée. Bon, je l'ai déjà, donc je la mettrai sans doute en vente, un de ces quatre. D'ailleurs, n'oubliez pas le lien de mon eBay, je le mets dans la description. Il n'y a pas toujours des trucs, hein. Là en ce moment il n'y a plus rien, mais je vais en remettre bientôt. Il faut absolument que je vide un peu tout ce qui m'encombre. Alors, ok, effectivement, vendre des porte-clés, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des cartons pendant mon déménagement. Mais mine de rien, avec tout ce que j'ai vendu la semaine dernière, eh ben, ça me fait un carton de moins. Bon, un petit carton, un carton doux, tu vois, mais ça compte quand même. Donc je le vendrai sans doute, ou alors je le ferai gagner sur un petit concours Insta. J'ai prévu d'en faire un bientôt parce que bah, parce qu'on est plus de 30 000 maintenant et que ça se fête, quoi. Donc voilà, Lady Tremaine. Donc en ce moment, là c'est femme badass, hein. Femme de pouvoir et femme badass. Hein. Et le dernier, allez, un pas double. Allez, pour lui, je le sens bien, il est gros là. C'est un gros yayoui, ça. C'est un gros yayoui. Peut-être que c'est Pat. Je dis ça parce que Pat, il a un gros bidou, mais ça se trouve non, hein. Mais allez, le dernier, vos ondes pour indifférent. Bon après j'ai déjà eu Madame Mime, tu vas me dire, faut pas être trop exigeante, Thibaut, c'est vrai, mais bon tu sais, c'est comme ça, c'est plus on en a, plus on en veut, tu vois, c'est la politique de je sais pas quoi. Alors j'ai l'anneau, alors attention, bah tu plaisantes mais je crois que c'est Pat, enfin en tout cas il y a un gros bidou, hein. Là il y a clairement un gros bidou, qu'est-ce que c'est que ça, ouais je crois que c'est Pat, attends je tourne, ouais, trop cool, alors pas trop cool dans le sens où c'est un que je voulais absolument, mais on ne l'avait pas, et il est quand même grave classe, il est énorme, et je parle pas que du bidou là, alors... Rien que Lady Tremaine déjà de base, enfin c'est des gros porte-clés, tu vois, franchement c'est des trucs, ça prend sa place, tu vois. Bah là, avec Pat à côté, oh je suis contente.
Et franchement, c'est cool parce que ma collection de méchants Disney, j'en ai en Mystery Mini et en porte-clés, donc j'ai tout ça sur mon étagère. Et je les avais pas ces deux-là, et ça me fait trop trop plaisir quoi. Ah, franchement, c'est cool! Donc, du coup, et bah, et franchement, sur la collection totale, en gros, il nous manquait Yzma, Hadès et le Siamois. Et les secrètes, bien sûr, mais. Donc, du coup, pas assez pour en racheter, je pense. Hein. Peut-être plus tard, éventuellement, mais. Ah, je suis contente, petite macro. Alors là, pour la prédiction, alors ça peut être lié à Venise, hein, parce que c'est un capitaine de bateau. J'espère que je vais pas tomber sur un capitaine de bateau qui ressemble à Patibulaire. Je vous cache pas que j'aimerais bien rentrer quand même un jour. Hein. Et pour les deux, je sais pas, mais ça pue, enfin, c'est quand même pas des meufs les plus sympas du monde, donc ça fait un peu belle-mère machiavélique, je trouve, Lady Tremaine. Alors moi, ça va, ma belle-mère est très sympa, mais vous, faites gaffe, si vous avez une belle-mère relou, ça pue quand même, hein, c'est... ou une grand-mère, ou une tante, en tout cas une femme de votre entourage, tu vois. Donc en gros, méfiez-vous de tout le monde cette semaine, quoi, voilà. En même temps, tu vas me dire, avec une ouverture de méchant Disney, j'allais pas vous dire, wouhou, cette semaine, faites confiance à tout le monde. C'est vrai, c'est logique, j'avoue, j'avoue. En tout cas, passez une excellente semaine, mes amours. Je serai avec vous par la pensée et par le cœur, comme d'habitude. Vous savez que je ne vous quitterai jamais. Moi, en tout cas, bah, j'espère que ça va. Normalement, oui, au moment où je parle, je suis à Venise. Donc, n'hésitez pas, je rappelle, à me suivre sur Instagram ou Twitter. C'est là que je vous posterai le plus de nouvelles. Snapchat, j'y suis beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment Insta et Twitter où je suis très efficace, n'est-ce pas? Je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une excellente journée. N'oubliez pas la prédiction de la semaine. Je compte sur vous pour être originaux, mais ça, je sais que vous êtes déjà extraordinaire. Là-dessus. Je vous envoie tout plein de gros bisous et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka!